Bienvenue dans Vivre en France pour parler aujourd'hui de la mer. Pour certains, elle est synonyme de vacances, mais elle fait vivre beaucoup de gens. Elle passionne énormément de monde. La mer est une infinie source d'inspiration. Dans Vivre en France, pendant une heure, un grand bol d'air, d'iode et aussi un peu d'aventure. Le roi avait sa chambre, une salle pour lui seul et juste au-dessus sa chapelle. Mais de mémoire de gardien, nul n'a jamais vu un roi de France dormir ou prier sur le phare de Cordouan. Dressé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, là où l'océan heurte bancs de roches et de sable, le phare de Cordouan n'est accessible qu'à basse mer. Son histoire commencerait au début du XIe siècle. Sur une tour primitive, fanal et feu de bois auraient signalé ce passage dangereux. L'histoire moderne du phare coïncide avec le règne d'Henri III. Sa construction, en belle pierre de Saint-Onge, débute en 1584 et s'achève 27 ans plus tard. Le phare de Cordouan a été allumé pour la première fois en 1611, pour ne parler que de cette tour, qui mesurait 35 mètres à l'époque. Ça a été le premier phare, tout au moins, de la région. À marée montante, Cordouan ferme sa porte à l'océan. En haut des marches, une rotonde entoure une sorte d'habitation cossue, dans le style Renaissance. Cordouan, ça a été un petit peu le prestige de la région d'Aquitaine. Ça a été une œuvre royale, ça a été plus qu'un phare au tout début. Tout ici atteste du caractère délibérément somptueux voulu par le premier architecte Louis de Foix. Les cheminées de la salle du roi, son sol de marbre noir et blanc, les initiales Marie-Thérèse et Louis, sans oublier les poignées des fenêtres de l'escalier qui grimpent à la chapelle Notre-Dame de Cordouan. C'est la partie la plus noble du phare, avec sa coupole et son mur divisé en 8 parties par des couples de pilastres. Sur des écussons figurent les chiffres royaux des familles de Valois et de Bourbon. Henri III. La chapelle actuellement est utilisée pour des baptêmes, surtout pour des gens du service. Peut-être quelques personnes étrangères au service qui désirent faire baptiser leur enfant au phare. Mais autrement, pour des mariages, bon, ça c'est réservé uniquement pour le personnel du service des phares et balises. La forme et la hauteur actuelle de la tour, 60 mètres au-dessus de la mer, résultent de travaux réalisés en 2 ans sous la Révolution française. Puis Cordouan sera, en même temps que Notre-Dame de Paris, l'un des tout premiers édifices à être classé en 1862 monument historique. Nous, au niveau phare et balise, on s'occupe surtout de la partie technique. Au niveau du patrimoine, c'est géré par ministère de la Culture, c'est-à-dire les monuments historiques, et que nous ne touchons pas la pierre, ce sont des ouvriers spécialisés qui montent quand il y a des restaurations au phare. La nécessité de réparer certaines parties patrimoniales du phare est manifeste, à commencer par l'appartement tout de chêne, autrefois réservé au séjour de l'ingénieur lors de ses visites techniques. Mais chacun devine qu'il est plus aisé d'admirer la magnifique architecture de ce phare que de réunir des moyens financiers. Du côté de Saint-Val-la-Hougue, il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu de bisquine normande. Pourtant, juste en face, dans le petit port de l'île de Tatiou, l'ami Pierre, embarcation lancée il y a un mois, est prêt à prendre le large. On est fier parce que pendant longtemps, on a rêvé devant ce qui n'était que des dessins. Et puis soudain, de voir tout ça vivre dans l'espace, mais là, c'est très nouveau. Hein. Témoin du passé maritime normand, la bisquine a été reconstruite ici, sur le chantier de l'île. François Renault, un passionné de vieux gréement, ancien de la marine marchande, a longtemps écumé la côte pour retrouver les plans originaux de l'ami Pierre, datant de 1861. On a le plan d'aménagement de l'époque, et on a aussi surtout eu la chance de retrouver des photos du port de Barfleur où on voit un ensemble de ces petites bisquines au sec en 1865. Ça, c'est une chance inouïe parce que c'est très rare d'avoir à la fois les plans d'origine, les plans d'aménagement et un plan de voilure, plus des photos de l'époque. Grâce à ces documents, le charpentier de marine a travaillé sur des plans retracés à main levée dans les moindres détails. La coque est en chêne, le mât en pichepin. Je pense qu'on a cerné l'authenticité dans ce qui est le dessin de charpente et l'aménagement intérieur. Pendant 2 ans, une petite équipe a reconstruit à l'identique ce bateau qui avait disparu. Comme on ne trouvait pas d'artisans, le chantier a fait appel à un Écossais pour refaire des poulies en normes à partir d'un modèle ancien.
À cette époque, ils utilisaient le rond pour leur poulie. Et on a fait le réa en bronze. Normalement, à cette époque, ils utilisaient les réa en bois. Faire un poulie comme ça, ça prend toute la journée, une entière. Et donc, ça coûte cher. Coût du bateau, 250 000 francs financés par le département de la Manche, un bateau outil de travail des marins normands au siècle dernier. Ce type de bateau était donc armé par 7 hommes d'équipage pour aller de Barfleur ou de Saint-Va faire le hareng à Dieppe au moment de Noël ou alors faire l'été, faire la pêche aux cordes du côté de Roscoff ou le maquereau sur les côtes d'Irlande. L'ami Pierre n'en est pas là. C'est sa troisième sortie avant Brest. L'équipage, un peu étonné, apprend à connaître le bateau et à régler ses 80 mètres carrés de voile. Mais à quoi sert un tel bateau? C'est surtout un bateau qui a été construit pour essayer de mieux comprendre comment on manœuvrait à la voile à l'époque où on travaillait à la pêche uniquement avec ce mode de propulsion. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en fait aujourd'hui en relevant pour la première fois un filet que nous avons tendu hier soir. J'espère que ça sera une bonne manœuvre. Première tentative, échec. La troisième manœuvre sera réussie. C'est ainsi qu'on pêchait il y a 100 ans en tenant compte des éléments. Il y a le vent et le courant au contraire, donc c'est très difficile à venir chercher la bouée. Surtout qu'on n'a pas l'utilisation du moteur. Et on se pose plein de questions à savoir comment il faisait. Quoi. Ça prouve les difficultés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur les difficultés du métier. Une seule, normande comme il se doit, deux crabes, une étoile de mer, la pêche est modeste. Mais ce n'est qu'un apprentissage et par mer calme. L'ami Pierre servira surtout aux classes de mer, des enfants de Barfleur ou de Saint-Va, pour réapprendre les gestes oubliés de la pêche à la voile. Depuis quelques heures, la Biskine, toute voile dehors, a mis le cap sur Brest pour rejoindre les 2500 vieux gréements de la grande fête de la voile. Il est vrai qu'on travaille en permanence sur les roches, on travaille avec très peu d'eau. Au gros maxi, on va dire environ 6 mètres maximum quoi, de profondeur, et ça peut aller jusqu'à zéro sous la quille. Quoi. Ce risque permanent d'échouer ou de talonner avec le bateau. Quoi. Avec l'expérience, bien entendu, on arrive à reconnaître tous les secteurs, les moindres hauteurs de cailloux, et la forme qu'ils peuvent avoir, à sentir la mer, à sentir les fonds. On est quand même équipé de matériel, d'une technologie quand même assez avancée, quoi. C'est-à-dire en matériel électronique déjà de navigation. Et ensuite du matériel performant au niveau de l'hydraulique. Outil de travail du goémonier, un crochet au bout d'un bras mécanique. Seul sur son bateau, il va sous la quille à la recherche de l'algue précieuse. La Laminaria hyperborea, c'est son nom. Arrachée du fond, elle s'enroule comme des spaghettis sur une fourchette. Ce crochet que les goémoniers appellent le Scooby-Doo a changé la vie des moissonneurs de la mer. Ah oui, les gens sont pas riches. Tu vois, même pour acheter un cheval à ce moment-là, eh bien, c'était dur. Il fallait travailler beaucoup et alors vous achetez un petit cheval de rien du tout. Quoi. Ben, il y aura pas crème. Est-ce que tu as une grande? Oui, ben c'est la vraie tenue du goémonier d'antan. Quoi. Quand j'étais gauche, j'allais à l'école avec des sabots. Et bien sûr, quand on a joué au football, des fois, il y en a un qui était blessé, mais c'était pas par le ballon, c'était le sabot qui a foutu le gant, puis l'autre qui a foutu ça en plein dans la figure. Nous, on vendait le goémon d'antan. On les faisait sécher sur la dune. Et on vendait ça à des cultivateurs de Saint-Paul, de Plougoum, tout ça, quoi. Et ça sert, c'était pour faire l'engrais, quoi. Et puis après, alors, quand l'engrais chimique est arrivé, ben notre métier a disparu, quoi. Parce qu'ils mettent maintenant, à la place, ils mettent du goémon dans les terres, ils mettent de l'engrais chimique. Mais alors, c'est pas le même goût. L'artichaut, tout ça, les pommes de terre, il y a une différence. Hein. Sur la côte rocheuse des Abers, autour des îles de Molène, la mer se retire loin.
La température de l'eau y favorise le développement des plantes marines. La récolte atteint 80 000 tonnes dans l'année. Elle va à l'agroalimentaire, aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques. La gastronomie aussi a son mot à dire, conseil du professionnel. C'est un accompagnement. Moi, je dis, ça ne fera pas un plat, au moins pour nous, mais ça sera un accompagnement pour le plat, pour le dessert, pour l'entrée. Les choses les plus simples, voilà. Et quand c'est cuisiné simplement, mais avec goût et avec saveur, je crois que c'est comme ça qu'on le déguste le mieux. Quand l'assiette arrive sur la table, le client qui va, avant de goûter déjà, il sent la saveur de la mer, il a l'impression que ça sort vraiment de la mer, quoi. Et ça, c'est clair, les algues, ça apporte vraiment la mer dans l'assiette. Le goémonier peut-il devenir un cultivateur? Un pas reste à franchir. On pourrait comparer ça à l'agriculture, c'est vrai. Mais nous sommes, je dirais, des récoltants. On n'apporte pas de semences du tout, quoi. Et c'est la nature qui le fait. Entre sable et eau de mer naissent des sculptures de calcaire et de nacre. Unis ou tachetés, vernissés, irisés, les coquillages sont tous très beaux, fascinants, irrésistibles même. Comme souvenir de vacances ou rêve d'évasion, on a tous un jour voulu les toucher, les ramasser, les emporter. Je pense pas tellement aux îles des mers du Sud quand je travaille les coquillages. Par contre, ce qui m'amuse, c'est la fascination que les gens ont pour les coquillages. J'ai vu des gens très sérieux qui, d'un seul coup, redevenaient des enfants en regardant des coquillages. C'est plus ça qui m'amuse, c'est le côté universel, un petit peu affectif des coquillages. Ma rencontre avec les coquillages, c'était il y a peut-être à peu près 5 ans, dans un magazine de décoration, j'ai vu un cadre 18e qui était en coquillage doré à leur fin et j'ai fait une copie. Et puis à partir de là, j'ai fait plutôt des créations et puis on m'en a demandé. Et tant et si bien, j'ai laissé tomber mon ancien métier. J'étais illustratrice et maintenant je suis plutôt peut-être styliste en coquillage. Pour fabriquer des cadres, des chandeliers ou d'autres objets de décoration, elle élabore avec précision le support. Bois, métal ou tissu compose une première sculpture recouverte ensuite de coquillages. Il lui en faut des kilos qu'elle trouve chez un grossiste, chez son poissonnier ou comme ici dans des boutiques spécialisées. Je voudrais des coquillages au kilo comme ça dans les tons beige et je voudrais quelques très belles pièces dans la vitrine s'il vous plaît. Des pectennes dans les tons orangé, jaune, petits escargots. Voilà, petits escargots. Mmh. Mer ceci coûte 5 francs. 5 francs, d'accord. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous en auriez 60 de cela? C'est voilà. Pour faire une bordure. Hein. À ce moment-là, je peux essayer de les commander. J'entends la mer. Au bord de la mer en vacances, on fait quand même ramasser toute la famille. Quand je ne leur fais pas manger, parce qu'on trouve en France, à certains endroits, certains coquillages et pas d'autres. On ne trouve jamais chez les grossistes ni chez les marchands. Donc, quand ils sont usés aussi au bord de l'eau, on ne trouve pas cela ailleurs. À demi-mot, avec pudeur, elle exprime la poésie de son métier. Un mélange de nature et de technique, de talent et d'enfance, simplement en collant des cadeaux de l'océan. On ne prend plus de temps. C'est des centaines et des centaines de coquillages pour souvent des centaines d'heures de travail. Je crois que mes formes, elles sont un petit peu végétales. C'est toujours quelque chose qui pousse, quelque chose qui n'est pas symétrique, quelque chose qui peut-être le lendemain aura changé. Si j'ai la complexité des formes, je m'arrête à la simplicité des couleurs. J'aime bien cette idée que c'est une structure métallique qui est tombée au fond de la mer et les moules se sont collés dessus et petit à petit c'est colonisé par du corail. C'est en marche, ça, c'est en train de pousser. Et comme par magie, l'appartement parisien se peuple d'une jungle exubérante, foisonnante. Une autre nature, stylisée, née de la mer et de la passion d'un être humain. Moi, je n'ai jamais navigué. C'est pas que je n'ai pas le pied marin. Et j'apprécie les bateaux quand ils sont à quai.
Je me permets de les observer, de voir tout ce qui est dessus, tout ce qui a rapport à ma profession. Il n'est pas marin, mais il a un métier rare lié au bateau. Ce métier-là, c'est le métier de poulieur, c'est-à-dire fabricant de poulies pour les différentes manœuvres à bord d'un bateau. Donc là... Des poulies comme celle-ci, il en a façonné des milliers, de toutes sortes, pour des bateaux traditionnels comme ce langoustier. Eh ben, on peut y aller, hein. Utile, la poulie est aussi un bel objet de marine. C'est une poulie qui est très belle, qui ferait l'honneur d'un beau bateau. C'est des formes douces. Des formes douces de type de poulie havraise. Voilà. Qui ont des formes sans. Des courbes de raccordement très, très élégantes. Elles n'ont pas toutes la même taille, mais ont un rôle précis dans la mâture du bateau. Poirier, frêne, acajou, orme, c'est dans ces bois résistants et durs que se font les meilleures poulies. La matière, noble, ne doit souffrir d'aucun défaut. L'artisan travaille sur la longueur, l'épaisseur et selon la commande et le type de bateau. Bon, le fait des fois de toucher le bois ou de le frapper, on rentre un petit peu en liaison avec lui, on sent vivre. L'homme a le geste sûr. Meilleur forgeron de France il y a quelques années, l'artisan, modeste, travaille bien sûr le bois. Ses premiers outils sont ses mains. Là, il y a un côté quand même un peu plus mécanique qui soulage les opérations. Mais là, rien ne change depuis des siècles. Hein. Avant, les compagnons avaient moins de machines pour travailler. Aujourd'hui, il faut 3 à 4 heures et 18 opérations différentes pour réaliser une poulie. Bernard a été formé chez René Blanchard, dont la famille, pendant 3 générations, fabriqua des poulies agréées par la Marine nationale. Au début du XXe, il y avait encore des poulieurs en France. Petit à petit, comme c'est un métier dont le marché est très étroit, les poulieurs ont disparu. Seuls ont survécu ceux qui se sont entêtés. C'est un métier simple, il faut le reconnaître. Ça demande simplement un peu de bon sens, une intelligence de la matière, et puis un savoir-faire méthodique qu'ils acquièrent au bout de quelques années. Chaque poulie a sa forme et son gabarit de métal, certains utilisés depuis 50 ans, passés entre les mains de dizaines de compagnons. Ça s'apprend par observation et pratique. En observant les compagnons qui montent les poulies, qui font sur les le différentes tas. Opérations, on apprend sur le tas, comme on dit, au pied de la machine. Un travail de patience où découpage, ponçage, perçage ignore bien sûr l'ordinateur. C'est la main qui fait tout, répète Bernard. La poulie formée, chacune des joues de bois est assemblée très précisément. L'assemblage des joues, des entre-deux, des culs et des têtes, tout ça c'est assemblé avec des fils. Donc il faut que tout soit bien aligné si on veut avoir quelque chose qui soit correct. Le savoir que j'ai acquis par observation et par pratique, je transmets à des jeunes qui sont très habiles d'ailleurs, qui aiment ce qu'ils font. Serti de son réa de bronze, la pièce qui éprouve la résistance des cordages, la poulie va servir le marin. La demande est forte depuis 10 ans et le retour à la mode des vieux gréments. Les poulies chantent à nouveau. On entend chanter les poulies, oui, certaines, comme celle du bout dehors, là, qui est dans la réa et dans le mât. Alors elle voit souvent la mer, elle est graissée à l'eau de mer. Hein. Voilà, donc elle va chanter plus que les autres. Bon voilà, aujourd'hui je vous fais voir ce qu'on est capable de faire. Une poulie violon destinée à la frégate qui a été construite au Portugal et qui sera à l'exposition universelle axée sur la mer à Lisbonne. Bernard Millot est optimiste. Ses successeurs sont prêts. À l'aube du troisième millénaire, il assure qu'on fera encore des poulies. Tant qu'il y aura des bateaux en bois, le savoir-faire ne s'oubliera pas. Là, je viens chercher des moules qui ont une forme particulière, parce que dans ce coin de l'île, elles ont une forme qui est différente de celle qui est à la pointe est. Et ce sont des moules qui sont assez allongées. Je les prends assez grosses parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gabarits d'au moins de 9 cm, 9 cm et demi. C'est ainsi chaque fois que la marée est favorable et que l'inspiration la envahit. Lorsqu'il a rejoint son atelier, l'artiste peut alors commencer son travail. Le trait de crayon sur la moule va dessiner la forme et peu à peu, la magie s'opère.
Ceci n'est encore qu'une ébauche. Avant de lui offrir sa forme définitive, Jean-Guillaume aura travaillé durant près de 8 jours. La moule devient ici la réplique d'un tonnier naviguant jadis au large de Belle-Île. Sur le bord du bateau. La pose du mât, ça veut dire qu'en fait le bateau il va pouvoir naviguer. C'est-à-dire qu'il sort de son état un peu larvaire qui est une coque pour faire maintenant, pour être ami avec le vent. C'est le vent qui va le faire tourner, c'est le vent qui va le faire marcher, avancer, et là on devient vraiment bateau. Jusque dans les années 40, la pêche était l'une des activités principales de Belle-Île. Les deux chantiers de construction marine installés dans l'arrière-port produisaient en masse sardiniers et thoniers. On a compté une année jusqu'à 150 bateaux. Toute cette histoire de l'île, et dont il ne reste que des cartes postales, c'est ici, chez Louis Garance, que Jean l'a découverte. Tiens, ça par exemple, on sait quand même, ça c'est quelque chose qui montre un aspect de l'île que personne ne peut imaginer. Ça. C'est le port de Palais avant la tempête. Tous les bateaux qui sont au large viennent se rassembler dans le port pour se mettre à l'abri. Et on peut pratiquement traverser le port à pied sec. Dans cette petite salle d'exposition, le visiteur peut découvrir une partie du travail que Jean a réalisé depuis près de 10 ans. Tous ces bateaux ont une histoire qui se rattache au passé de Belle-Île. Je tiens à garder une authenticité de ces bateaux. Je travaille avec les plans de ces bateaux. Je veux pas que ce soit trop fantaisiste. Donc il faut que la moule respecte le plan. Mon travail consiste à partir des plans des bateaux, de trouver la moule qui correspond le plus à la forme. Et ensuite, avec les indications que j'ai récupérées aux archives, reconstruire ces bateaux et les remettre dans le circuit. Les faire revivre une deuxième fois. Et parfois, Jean-Guillaume, l'artisan poète, se prend à faire des rêves d'artiste, des rêves de charpentier. Ce sont des bateaux qui viennent de la mer. Des bateaux qui viennent de la mer et qui pourraient repartir en mer, qui repartent en tout cas dans mon imaginaire et dans l'imaginaire des gens que ça intéresse, ils repartent en mer, ça les fait voyager. Ça nous fait voyager. La liberté de cheminer, c'est ça la randonnée, c'est de pouvoir aller voir ce qu'on a envie de voir. Le sport en randonnée aide à réfléchir et à regarder d'un peu plus près ce qui se présente à nous. Et sur le chemin des phares, le randonneur a de quoi satisfaire sa curiosité. Le long des côtes bretonnes, entre Brest et Port-Sal, 86 km de chemin côtier lui sont désormais accessibles sans discontinuité. Des côtes déchiquetées que phares balisés feu aident les marins à aborder. Le phare de Saint-Mathieu se dresse, presque insolite, au milieu des ruines d'une abbaye. Ce phare a été construit en 1835 avec des pierres provenant de l'abbaye, puisque l'abbaye a été vendue comme bien national pendant la Révolution, achetée par un monsieur ici du Conquet. Et puis on avait commencé à démolir l'abbaye. On s'est servi des pierres pour faire des routes. Et puis les belles pierres ont été conservées pour faire le phare. La randonnée est un voyage dans le temps où ces côtes connaissaient une activité intense. Au bord du sentier, une pierre à goémon. Amassée au fond de criques inaccessibles, le goémon autrefois était souvent remonté, tiré par un cheval. Vous voyez la pierre plate avec un trou, on mettait un madrier là-dedans, et au bout du madrier, on fixait donc une poulie. La corde passait dans la poulie et descendait donc dans le fond de la grève qui était inaccessible aux charrettes, puisque le goémon, on l'utilisait comme engrais agricole. Aujourd'hui, le goémon est recueilli grâce à ses bateaux. Sur l'Abère Île-d'Hutte, où nous mène notre balade, le port produit les 3/5 de la production nationale d'algues. Oui, la randonnée en Bretagne, c'est facile. Et puis ce qui est intéressant, c'est la liaison de la terre avec l'eau. On pense aussi un petit peu à nos ancêtres là, qui ramenaient des blocs de granit là, pour faire l'obélix à Paris là, et puis qui convoyaient ça par la mer. Là. Et c'était un moyen quand même assez facile à l'époque de ramener ça par l'eau plutôt que de ramener ça par terre. Quoi. Les paysages sont très variés. On a d'abord, on voit l'océan,
L'océan, c'est l'Amérique, c'est le lointain, c'est l'aventure. Et puis après, on revient sur des paysages un peu plus doux, les Abers par exemple, où on revoit un petit peu la vie humaine là, qui s'est mise un petit peu au chaud, là, bien au doux, à l'abri des tempêtes. C'est ça le manoir, oui. Il ressemble bien, on le reconnaît, là. Il n'y a pas de problème. On craignait une randonnée un peu uniforme. Le chemin des phares nous a offert des paysages contrastés. Sur le sable ou en sous-bois, avec le cri des mouettes ou le bruit des sources, c'est un rivage breton encore plus attachant que l'on découvre en quittant la route. La même passion réunit ces deux noirmoutrins. Henri et Marc parlent avec la même conviction du bois et des bateaux. Marc est fabricant de demi-coques, Henri, charpentier de marine. Jamais de résine, jamais de plastique, Marc est un des derniers à réaliser des demi-coques de décoration entièrement en bois et de façon artisanale. Authentique également, le travail d'Henri Gendron. Le plus ancien des cinq derniers charpentiers de marine de Noirmoutier, la fabrication des bateaux de pêche ou de plaisance, c'est un sacerdoce pour Henri. Ce qui me plaît, c'est arriver avec un tas de bois, de faire quelque chose qui a de la gueule. Un objet qui est joli, qui va naviguer, je pense, très bien, qui ira vite, j'espère, qui va porter des gens, qui va donner du bonheur. J'analyse le plan, je le décompose en un tableau. Ce tableau, je le recopie sur le bois sera découpé en strates qui vont constituer après collage la demi-coque. C'est le travail, l'approche inverse du charpentier. Je pars du plan pour réaliser la demi-coque. Le charpentier part de la demi-coque pour réaliser le bateau. En effet, à l'origine, la demi-coque en bois servait de référence pour la construction d'un bateau. Maintenant, ces objets d'art sont destinés à flotter au-dessus de nos cheminées à titre décoratif. Aujourd'hui, comme la plupart des charpentiers, Henri n'utilise plus cette demi-coque, mais tout simplement les plans d'architecte. Enfin, quand il a un nouveau bateau à construire. Malheureusement, les commandes sont de plus en plus rares. Alors, dans le hangar situé en face de son atelier, Henri répare les vieux bateaux. Aussi souple qu'avant, il se faufile durant des heures à l'intérieur des coques et prend plaisir à vous expliquer son travail. Non, je pose une varangue. Une varangue qui est une pièce de bois, comme on voit, qui relie les deux côtés. Sur lequel il y a ce gros boulon qui est là, qui lui tient la quille, le lest, qui fait 800 kg. Donc il faut répartir cet effort, ce poids, sur la palanquée de varangue qu'on vient de mettre, parce que le bateau est vieux et puis il a besoin d'être restauré. Tout ce que je sais, je le mets là-dedans. Mon temps, ma fatigue, ma vie. On donne ce qu'on a reçu. Mon père m'a appris ce métier. Toc, c'est ça. Et alors maintenant, le transmettre à des jeunes, que ce métier continue, c'est encore un autre bonheur aussi. Ma première demi-coque, je suis allé lui demander conseil avant de la réaliser et lui emprunter un morceau de chêne, je crois. Un gros bloc de chêne dans lequel je me suis amusé à taper dessus une vague forme. Et fort de ma première œuvre, je suis allé voir Henri qui très très gentiment m'a félicité sur l'approximation de ce modèle, mais qui était le premier du genre. J'ai appris à reconnaître d'autres bois chez lui, même si nos métiers ne se rejoignent plus, on est complémentaires. Parce qu'on parle de la même chose, on aime le bateau en bois, on aime partager aussi cette passion et la faire partager. Faire partager ces mêmes gestes d'amour, ces mêmes caresses, Henri et Marc sont des perfectionnistes. Leurs coques terminées doivent être aussi douces que la peau d'une femme. L'œil et la main deviennent alors plus précieux que n'importe quel outil. C'est toujours très agréable de voir le bois réagir et donner tout son éclat. C'est très sensuel, hein.
Depuis le début de sa carrière, Henri a réalisé une cinquantaine de bateaux. Celui-ci, Mendu, est peut-être une de ses dernières commandes avant sa retraite. Mais le plus beau reste à venir, ce sera un nouveau bébé, mais cette fois pour lui tout seul. Quand le soir, je suis en train de faire mon cahier de journalier, là, ben, je m'en vais le caresser, retire la poussière qui est dessus. Et puis on rêve 5 minutes, mais faut pas rêver, parce qu'après ça te prend les tripes, hein. Encore tous ces jours à attendre et tout, non, faut voir ça avec un peu de recul. Alors, enfin, les jours passent et puis... voilà. Plus que 2 ans de patience avant de voir le petit bateau, grandeur nature. En attendant, Henri aurait tort d'arrêter de rêver. Dès qu'il quitte son mouillage, c'est en respectant les balises qui signalent roche ou banc de sable, c'est en se fiant au feu et à mer qui marquent la progression vers le large, que le barreur ou le pilote, quel que soit son bateau, trouve le passage vers la sortie du port. De la Manche à l'Atlantique, de Calais à Saint-Jean-de-Luz, les indications indispensables aux entrées de port, comme 1000 autres informations relatives à la pratique de la mer, sont réunies dans l'almanach du marin breton. Et c'est en quelque sorte la mémoire du plaisancier moderne. C'est pratique. Ça sert à donner les coefficients de marée, il y a plein de choses pour les balises, il y a plein de choses pour tout fonctionnement de la mer. Quoi. Et on oublie facilement, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude de partir en mer tous les jours, ils oublient. C'est une association, l'œuvre du marin breton, qui publie l'almanach. Avec le concours de plusieurs dizaines de bénévoles, elle révise et met à jour chaque année une édition nouvelle. Pour son 100e numéro, l'almanach du marin breton effectue une sorte de bond technologique en associant au support papier une brève présentation sur CD-ROM. L'almanach papier, c'est un ouvrage de navigation, c'est un outil de navigation. Et le CD-ROM, on le considère un petit peu comme un outil de formation, un outil pédagogique. Alors toujours l'objectif de faire quelque chose à pas cher, mais pédagogique. En attendant l'embarquement de ce CD-ROM, c'est l'almanach traditionnel qu'on a la surprise de trouver dans la cabine de pilotage du navire qui relie tous les jours Brest aux îles de Molène et d'Ouessant. L'exemplaire du bord n'est pas l'exemplaire personnel du commandant, c'est celui que la compagnie maritime achète pour chacun de ses navires. Vous avez toujours l'almanach du marin breton à bord Ah oui, toujours. Toujours. Principalement, vous voyez ce que je suis en train de faire actuellement pour regarder la marée. Parce que le coin qu'on fréquente ici, les courants sont très importants et donc en fonction de la marée, la route du bateau change. Quand le bateau est appelé à sortir de son secteur géographique qu'on connaît parfaitement, par exemple s'il faut faire route sur Douarnenez, sur Concarneau, là le livre des phares nous intéresse, oui. En achetant le manac, on aide les marins en général, puisque c'est l'argent de ce canard, là on sait très bien, va à l'œuvre du marin breton. Car Jean de Tézac, l'homme qui invente l'almanach, crée avec l'œuvre du marin breton l'embryon d'un soutien matériel aux travailleurs de la mer. Sur les quais des ports de Bretagne apparaissent des maisons qu'ils nomment « abris du marin ». Chaque abri du marin était géré par un gardien qui tenait scrupuleusement les comptes. Il notait combien de marins venaient à l'abri, dans la salle de jeu, dans la bibliothèque. Et ensuite, il envoyait ses rapports au fondateur de l'œuvre des abris du marin qui suivait ça de très très près. Les clichés que prend Jean de Tézac, grand amateur de photos, montrent que l'abri du marin était un lieu de solidarité et d'entraide jusque dans la transmission des savoir-faire du métier. C'est au tour maintenant des particuliers, des communes comme Sainte-Marine sur les bords de l'Audet, de prendre soin de ces refuges, apportant du même coup leur pierre à l'histoire de la vie des gens de mer. Près du port de Douarnenez, un lieu magique fascine les enfants. L'atelier d'Emmanuel, le sculpteur de marine, le seul qui existe en France. Et c'est fou ce qu'on voyage dans cet atelier. Un aigle pêcheur vit en Amérique, à New York. Il pêche et a un joli plumage. Mais il a envie de voyager plus loin, au-delà de l'océan, et de visiter d'autres continents. L'aigle ornait la proue d'une goélette de pêche qui sombra dans les eaux de Noidibou en Mauritanie. 200 km plus au sud et 20 ans plus tard, on retrouva cet aigle. Cette histoire inspira une légende aux gamins de Douarnenez. Emmanuel se dit sculpteur de rêve. Ce n'est pas rentable. La mairie lui donne un local gratuit en échange. Il ouvre le dimanche son atelier aux visiteurs. Il remplit ainsi une mission culturelle et raconte son amour du bois. Le chêne, par exemple, c'est un goût un peu vinaigré. C'est bon ? Après. Le pain de glace,
C'est un goût de bonbon. Oui. Un résine. Ben, on va en prendre alors. Ouais, c'est vrai. Depuis 2 semaines, le sculpteur travaille sur un cep de driss. La pièce n'ira pas dans un bateau, mais dans le salon d'une dame amoureuse des vieux gréements et d'un arbre. C'est un if qui a dû tomber probablement à cause d'une tempête ou d'un coup de vent ou d'un coup d'orage, je sais pas. Et je pense que la personne qui me l'a donné préférait que ça parte en sculpture qu'en bois de chauffage. Je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir des bateaux, qui n'en ont pas, et puis qui remplacent cette envie par ça, ou d'autres choses. Emmanuel se passionne pour les figures de proue, mais les clients sont rares. Paulista fut commandé par une association qui veut reconstituer un clipper français du 19e siècle. La sculpture est finie, mais le bateau reste un projet inachevé. La figure de proue était l'orgueil des marins, l'emblème d'un navire, souvent la seule femme à bord. Elle protégeait l'équipage des tempêtes et du mauvais sort. Cette tradition s'est éteinte avec la fin des grands voiliers au siècle dernier, mais elle remonte à la nuit des temps. Les Vikings, la sculpture qu'ils avaient à l'avant, ils s'en servaient pour marquer un territoire, donc ils la sortaient du bateau, ils la plantaient. Au 17e, c'était pour montrer qu'on était riche, qu'on avait plein de sculptures sur les bateaux. Plus la flotte avait de sculptures, plus le bateau était prêt à couler, mais plus on montrait que le pays était riche. Des originaux prêts à alourdir leur bateau, on en trouve encore. Philippe a acheté au sculpteur un lion du XVIIe siècle. C'est ce qui le fait vivre. C'est ce qui lui donne une âme, une certaine élégance aussi. Ça personnalise le bateau. Le sculpteur des mers ressuscite une tradition perdue. L'aigle de Noidibou, rescapé du naufrage de sa goélette, voyage encore dans une exposition itinérante. Il prouve ainsi qu'un beau bateau ne meurt jamais tout à fait. Crier de Concarneau 6 heures du matin, c'est là que 2 fois par mois, Bernard Bourlès vient faire son marché. Un marché un peu spécial, car cet acheteur est plutôt difficile. Voilà, pour choisir un poisson, il faut qu'il soit très frais, que ses nageoires soient toutes intactes et qu'il ne manque aucune écaille, qu'il n'y ait pas de trou dans la peau. Aujourd'hui, par exemple, il a absolument besoin d'une dorade en bon état. Voilà, elle est très belle, je vais prendre celle-là. Depuis 10 ans, c'est ici qu'il se ravitaille pour faire son étrange métier. Je voulais un métier intéressant et qui me ressemble. Et c'est quoi ce métier ? Ichtyotaxidermiste. Autrement dit, Bernard Bourlès naturalise les poissons. Sur un cadre, il prend d'abord les mesures de son modèle, puis il va reporter les teintes de la dorade avant qu'elle ne disparaisse, car ses couleurs serviront plus tard. Et puis, lentement, avec minutie, il déshabille délicatement le poisson au scalpel. Et là, il faut connaître l'anatomie de chaque poisson. Il y a le côté scientifique avec la dissection et puis la connaissance des poissons. Et ensuite, il y a un domaine artistique avec déjà la sculpture de la forme et puis le travail de peinture. La peau, une fois détachée, est traitée pour assurer sa conservation, puis sèche plus ou moins longtemps selon l'espèce. Naturaliser demande du temps. 10 heures pour une dorade, près de 2 mois pour un requin. C'est dans du polystyrène que la forme est retracée, découpée, puis sculptée. C'est une étape relativement importante, ça va me donner la silhouette du poisson fini. Le principe est pareil, mais la forme est évidemment différente pour chaque espèce. Bon ben voilà, je ne fais pas que des dorades, il y a aussi toutes les formes de poissons. Là j'ai par exemple un maquereau, la forme fuselée du maquereau, la truite, c'était pour un pêcheur. Ça c'est un poisson de grand fond, un otacanthus. Et là ben, c'est une forme de requin. En fin de compte, là s'il y a un creux, c'est fait pour mettre la mâchoire en place qui va s'incruster dans la cavité. À chaque poisson, son type d'œil, sa couleur qu'il faut reconstituer artificiellement. Un travail de précision. La pupille et l'iris sont peintes puis fixées sans fausse note. On ne pourrait pas mettre un œil de merlan sur un maquereau ou sur une aiguillette ou sur un lieu, ça c'est sûr. Pour redonner des couleurs aux poissons, une peinture spéciale est appliquée et toutes les espèces sont ainsi immortalisées. Quand je vais à la criée avec tous les poissons qui sont ramenés de toutes les mers d'Europe, je pense que peu de gens ont la chance de voir toutes ces espèces. Et
Je suis là en les conservant pour un peu témoigner de ce qui existe dans le fond des océans. Mais revenons à notre vraie fosse dorade. Comme tous les poissons, grands ou petits, faits ici, elle est prête à être rhabillée. C'est presque du prêt-à-porter. Ah oui, tout à fait, il faut que ça s'adapte, c'est du sur-mesure. Voilà, j'ai commencé sa couture. Et ce qui est amusant de noter, c'est que c'est avec du fil de pêche que je vais le rhabiller. La leçon de sciences naturelles se poursuit dans son exposition. On y observe 80 poissons différents, immortalisés. Et Bernard est toujours surpris par son travail. Je suis étonné déjà par leur beauté. Je suis étonné par les diversités des formes qu'ils peuvent revêtir. Et j'essaye, grâce à mon travail, de retraduire un peu l'émotion que j'ai eue au départ. Quoi. L'émotion, c'est quand, adolescent, cet amoureux de la mer et de la nature pêcha son premier poisson qui décida de sa vocation. Alors ça s'appelle le quai de France ici. Tandis que là, c'est le quai de Normandie. Les bassins du port de Cherbourg, comme tous les océans du monde, Jean-Charles Arnaud, ancien commandant de pétroliers, les a fréquentés toute sa vie. L'appel du large, il l'a connu à 14 ans, en 1924. Quand j'ai voulu embarquer, mon père m'a dit, écoute, ton grand-père, il était lieutenant de vaisseau à bord de la frégate cuirassée à la France, ben, il a commencé par être mousse. Eh bien, tu seras mousse aussi parce que si ça ne te plaît pas, eh ben, tu laisseras tomber. Si ça te plaît, eh ben, tu continueras. Là, j'étais piqué à l'eau de mer puisque, je vous dis, à l'âge de 5 ans chétif, eh bien, j'étais baigné tous les jours par ma gouvernante avec de l'eau de mer prise ici, en face du casino de Cherbourg. Voilà. Il aura bientôt 89 ans. L'océan a bercé ses rêves, le plus fou d'entre eux, créer un musée maritime. Et voudriez me donner un Doris? Depuis mon enfance, j'accumulais tout ce que je pouvais trouver sur les bateaux. Tout. Carte postale, souvenirs, tout. Dans cette casemate cédée par la marine en 85, restaurée par ses soins avec quelques compagnons, le musée est né. Objet de marine, bateau extraordinaire, le commandant ne prend pas n'importe quoi. Alors ça, c'est une des plus belles pièces du musée. C'est un dinghy rapide. Il m'a été donné par un monsieur qui ne voulait pas que son bateau soit perdu. Il est tout en acajou massif et il a presque 100 ans. Construit en 1901 dans la région parisienne. Il a fait l'admiration de tous les amiraux qui sont venus. Nous avons déjà eu 12 amiraux ici. Alors vous voyez. Les visiteurs peuvent consulter les 1000 volumes de la bibliothèque. Romans de mer, mémoires salées, livres de bord de navires parfois perdus, ouvrages rares et instructifs rachetés ou dénichés par le commandant. Abeilles, voilà, abeilles. Voilà. Abeilles 12, 277 tonneaux. Un commandant artiste qui a dessiné à la plume tous les lieux d'escale de ses périples lointains qu'il raconte aux enfants des écoles. Il explique aussi l'art de naviguer et tout ce patrimoine préservé. Voilà mon bateau, voilà la timonerie. Hein. Alors j'ai tout ce qu'il faut pour passer la passe de l'Est, avec le compas, avec la barre bien entendu. Et puis celle-là, elle a de la bouteille. Hein. De Chatburne. Et puis bien entendu, la cloche pour piquer le quart. Et puis ma foi, j'ai les feux de tribord. Bâbord, et même le porte-voix quand il y a du vent, pour pouvoir me faire entendre des oies qui ne veulent pas exécuter les instructions. C'est un bateau qui ne coulera pas là. Il ne coulera jamais. C'est effectivement du patrimoine parce que j'aime ça et je veux que mes successeurs le sachent. Il faut laisser la trace, il faut les éduquer. On n'a pas toujours navigué par satellite. J'accumule tous les bateaux que je peux trouver. Je les sauve avant qu'ils soient démolis. C'est la baleinière du nomadique. Le nomadique, c'était le transbordeur qui a servi à prendre les passagers près du pont tournant de Cherbourg et les mettre sur le Titanic.
l'unique fois qu'il est venu à Cherbourg en 1912, avant la catastrophe. La SNSM lui a donné le canot de Goury, 14 tonnes, qui a sauvé 390 personnes. Il a récupéré le rouf, tout en teck, d'un remorqueur que le tsar de Russie avait fait faire en 1903. Il a tout installé à sa façon. Voici la salle des maquettes, près de 300 rassemblées en 15 ans par l'énergique commandant. Marine à voile, à vapeur, grand paquebot, acheté ou donné, chacun a une histoire. C'est un monsieur Godefroy qui est venu ici et m'a dit « Votre musée me plaît ». Et il m'a dit « Je vais vous faire cadeau d'une maquette que j'ai faite en bois ». Il m'a apporté le Titanic, non seulement le Titanic, mais avec la vitrine également. Et voilà, voyez-vous, c'est un beau cadeau ça. Des maquettes, il en a construit lui-même ou fait construire. Une bonne partie de son argent personnel passe dans son musée et sa passion a un prix. Elle est bien là. J'arrive à peu près à 300 millions anciens, quoi. Bon, ben... Mais vous voudriez être aidé. Mais voilà, c'est ce que je veux, ce que je cherche depuis des années. Il aimerait qu'une municipalité lui délègue quelqu'un. Ses enfants sont loin, il est débordé de travail et le commandant veut que son musée passe à la postérité. Depuis 4 ans, il restaure la maquette de l'Atlantique, un bateau qu'il a vu brûler à Cherbourg en 1931. Cette maquette, réalisée en 1930 par les chantiers de Saint-Nazaire, il l'a longtemps cherchée. Ah, ça, je suis heureux, heureux même de l'avoir. Et puis, je sais qu'il n'y a pas d'autre comme celle-là. Et ça va être une pièce magnifique dans mon musée. Le commandant a encore d'autres acquisitions en vue et beaucoup de projets pour son musée. Le regard fixé sur l'horizon, il a pris son quart comme au temps des grands paquebots. Ce sont les marins qui ont l'idée de mettre leur bateau dont ils avaient navigué dedans pour l'offrir soit à leur femme ou à un membre de la famille, ou même, ça arrivait, de payer la dette qu'ils avaient envers l'hôtelier qui les avait hébergés. Cette passion de marin au long cours et de gardien de phare solitaire, Roland Rigaud l'a attrapé un beau jour lorsqu'il passe devant une de ces superbes maquettes du musée de la marine. Il achète un livre, rare sur le sujet, et se met au travail. Avant, j'étais toujours, dirons-nous, maquettiste parce que je touchais toujours avec le couteau pour faire quoi que ce soit de mes mains. Je faisais des cannes, proprement dit, avec mon couteau. Alors après, on faisait des petits avions et puis après, les avions, c'est venu au bateau. Le secret d'une mise en bouteille a longtemps été gardé au siècle dernier. Les marins n'acceptaient de divulguer leur savoir-faire qu'en échange de vin ou de nourriture. Roland Rigaud souhaite au contraire transmettre son expérience aux plus jeunes. Et tout d'abord, à chacun sa méthode, il construit le bateau entièrement en tenant compte du diamètre intérieur de la bouteille. Puis vient le bon moment où, avec beaucoup de calme et de patience, il va plier les mâts, les vergues et les voiles. Ça, il ne faut jamais qu'il soit en dessous, toujours au-dessus. Et vous voyez, il est bien là. Bon, après, vous le présentez au goulot. Il arrive que, maladroitement, il y a un fil qui casse ou une verve qui casse. Et votre bateau est mort. Parce que le bateau, premièrement, s'il est dedans, vous ne pouvez plus le ressortir du tout, c'est fini. Donc à ce moment-là, vous le laissez, et à vous, avec votre dextérité, à essayer de réparer la casse qu'il y a à l'intérieur. Alors là, c'est un travail de titan. Le bateau sera ensuite collé sur sa mer artificielle. Après séchage, Roland n'aura plus qu'à tirer sur les ficelles extérieures afin de hisser les gréements et donner au voilier toute son ampleur. Vous avez mis combien de bateaux en bouteille ? 200 bateaux en bouteille en 18 ans. 200 bateaux et très peu de naufrages, plutôt des souvenirs de difficultés, d'erreurs ou de succès inscrits dans un livre de bord. Avec l'ingéniosité qui convient pour confectionner ses propres outils, elle est bien loin la fameuse baleine de parapluie dont se servaient les matelots. Mais vous ne trouvez pas dommage d'enfermer un bateau ? Dans une bouteille ? Ben, on fait le vent et la mer dans une bouteille, parce que vous voyez qu'on fait la mer proprement dit, et puis vous voyez les voiles bien gonflées, donc il y a du vent. Je ne suis pas monté ou très peu une fois sur un bateau, puis des voyages ne m'intéressent pas. Je voyage avec mes bouteilles, c'est déjà pas mal.
Il fait un temps breton sur la rivière du Blavet, à quelques encablures du port de Lorient, enfoui dans la vase de vieux bateaux de pêche qui ont connu d'autres marées et bien des équipages achèvent ici leur vie. Alain Toumelin y a échoué son bateau. Vous voyez, mon bateau rouge là-bas, ben, c'est la pesqueresse et ça va faire un à deux ans que je l'ai mis là. Et bon, ben, quand je passe ici sous le pont du Bonhomme, j'ai un haut le cœur, quoi. Hein. Et quand je l'ai quitté, ben, je chialais. Voilà, et c'était triste. Vous avez travaillé longtemps sur ce bateau? Ben, 17 ans, ça fait mal. Parce que avoir navigué toute ma vie et puis avoir mon outil de travail là, ouais, c'est triste. Il ne gagnait plus sa vie à la pêche, alors il s'est reconverti. Pour lui, la vraie place de ces bateaux est ici au cimetière. Pour le paysage, pour les gens qui font des beaux tableaux, tout ça, c'est magnifique, ça revient à ce moment-là. Ces carcasses ont entre 30 et 50 ans. Elles sont l'histoire de la pêche. D'abord à la voile, ensuite au moteur. Des thoniers de groix, des palangriers qui ont bourlingué pour amener du poisson. La nostalgie du métier quand même est toujours là. Hein. Moi, il m'arrive la nuit, mon sommeil, je crois que je suis toujours à la pêche par moment. Hein. Je fais des rêves comme ça. Parce que là, il est quand même dans la vase. Et avant qu'il pourrisse, il mettra sûrement un certain temps. Hein. Mon petit garçon et ma petite fille viennent les voir. Ils sont tout petits, mais ils viennent les voir. Ils me disent, oh, ben, le bateau à papier est cassé, comme il dit souvent. Des bateaux cassés, on en trouve encore dans les méandres du Goyen, à Audierne. Ici, je ne dois pas me tromper en disant que c'est le La Parbienne d'Audierne. Immatriculé, je crois que c'était le 22-13. Alors le La Parbienne, c'était surtout un maquereautier tonnier. Ça nous faisait plaisir à nous gosses d'aller quand même s'amuser un petit peu à bord de ces vestiges. Ici, vous ne voyez plus que des vestiges. Henri Kabilic connaît chacune des coques du cimetière d'Audierne. Mousse, à l'âge de 14 ans, en 1948, il est passé matelot, puis a commandé deux langoustiers à partir de 1960. Ça, c'est la Françoise Honnête. C'est le bateau sur lequel j'ai navigué en tant que matelot, en 53-54. C'est vrai que... C'est toujours avec un peu de nostalgie qu'on voit quand même les bateaux sur lesquels on a navigué et qui ont été tellement vaillants à la mer. Henri a essuyé des tempêtes, perdu des amis pêcheurs, navigué loin d'Audierne, mais il est toujours rentré au port. Je suis content que ce bateau soit là, parce que ça me rappelle quand même beaucoup d'événements de mer et qu'on a vécu. Le vent, l'eau salée, ronge ces vieilles coques sans relâche, effaçant leur nom, leur numéro, presque jusqu'à l'oubli. La génération donc, qui était avant moi appelait rarement les bateaux par leur nom. C'était toujours par leur numéro. Le 1500, en breton, ça disait le 1530, à Deauville. Ça, c'était en breton. Ils appelaient tous les bateaux par les numéros. Vous rendez compte de la mémoire qu'on pouvait avoir? Il ne faut pas quand même oublier que le port d'Audierne à l'époque comptait peut-être 150 ou 200 bateaux. Et les marins se rappelaient des numéros des bateaux, non pas du nom. Hein. Voilà. Si ces bateaux sont là, c'est qu'ils ont ramené leurs équipages. Mais on ne peut pas oublier ceux qui ne sont pas revenus, nos chers disparus, comme on les appelle. C'est pour cela que depuis longtemps, les marins ont créé la Caisse des périls en mer, afin d'aider les veuves et les orphelins. Pour cela aussi que Victor Hugo écrivit un jour « Ô combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon, se sont évanouis. » S'il nous fait rêver, c'est que le Belém a le panache des bateaux d'autrefois, la fierté de nos trois mâts d'antan, la noblesse de ce que fut jadis la marine commerciale française. À son arrivée à Lisbonne, il se devait de saluer la tour qui porte le même nom que lui, Belém étant la traduction en portugais de Bethléem.
dit du bel aime qu'il est racé, la finesse de sa mâture, l'élégance des lignes de sa coque fascinent aujourd'hui tous les connaisseurs. Nous savons apprécier une belle vieille dame comme celle-ci. Pour cette escale d'un jour au Portugal, une surprise attendait le bel aime pour célébrer ses 100 ans. Les autorités portuaires avaient tenu à remettre au commandant du bateau la médaille du port de Lisbonne. Au nom de tout l'équipage du navire et au nom de la Fondation Bel Aime. On a une grande émotion, je crois, en venant dans le port de Lisbonne, parce que c'est un peuple maritime et un peuple de marins depuis très très longtemps, et je crois que c'est un port qu'on aime beaucoup. La tradition ici, cela compte. Dès sa naissance en 1896, le Bel Aime était devenu l'un des plus élégants de nos navires de commerce. À l'époque, 13 hommes formaient l'équipage, c'était peu pour manœuvrer les 1200 mètres carrés de toile, mais suffisant pour ramener en France des tonnes de fèves de cacao, de bouteilles de rhum ou de sucre. C'était la grande époque des trois mâts. Aujourd'hui, ce vieux gréement est toujours là, lui qui a failli brûler et disparaître à plusieurs reprises. Il a eu tout au long de son histoire de nombreux propriétaires, les derniers en date, la Caisse d'épargne de France, grâce à laquelle le Bel Aime, entièrement restauré, a pu survivre. Classé monument historique, notre vieux Lascar propose désormais au public des stages à son bord. Le Bel Aime a su ainsi devenir un navire de son temps. Ce matin encore, je voyais quelques jeunes matelots qui sont là à peine depuis quelques jours monter avec enthousiasme dans la mâture. Et ils étaient merveilleux. Et je suis sûr qu'ils montaient dans la mâture avec leur cœur. Et les marins qui montent dans la mâture sur ce bateau sont tout d'un coup fiers de nouveau d'être marins. Et quand on est stagiaire sur le Bel Aime, on partage avant tout le travail de l'équipage. C'est le seul qui soit si bon. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Il n'y en a pas d'autre et j'ai toujours rêvé de voir un bateau comme ça, puis de travailler un tout petit peu dessus. Naviguer sur ce dernier grand voilier français, c'est une chose qui n'est pas donnée à n'importe qui, naviguer dessus. En France, aujourd'hui, 56 bateaux seulement sont protégés, un chiffre dérisoire quand on sait ce que fut le patrimoine maritime français. Mais il reste encore le Bel Aime pour rêver.